Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un 21ème let's play de Spider-Man. Alors, troisième épisode consacré au DLC Le Casse avec la si charmante chatte noire. Bah, on finit le DLC dans cette vidéo, les amis, on est parti. Salut MJ. Ok, première chose, va à cette adresse. Apparemment, c'est la dernière adresse connue de la planque de la famille Costa. Et d'après ma source, ils ont la dernière clé. MJ, écoute-moi. Non. Toi qui m'écoutes. J'ai été un peu dur la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais non, t'as réagi exactement comme j'aurais réagi. On n'était pas ensemble à l'époque. Je suis sortie avec d'autres mecs, moi aussi. Voilà. Attends, d'autres mecs. Tu veux dire au pluriel? Ce que je veux dire, c'est qu'on est des adultes. Il y a un enfant en danger. Alors on va le sauver. Je te mérite pas, MJ. T'as raison. Je sais ce qu'il y a dessus. Il y a des années, les familles ont mis en place une comptabilité commune pour garantir la paix. Ils ont rassemblé tous leurs fonds. Et il leur fallait les 5 clés USB pour y accéder. Alors Hammerhead a enlevé le fils de Black Cat? Pour la forcer à voler les clés et pouvoir voler les fonds des autres familles. En fait, Hammerhead essaie de faire fortune rapidement en mettant les autres familles sur la paille. On doit trouver la dernière clé USB avant lui. Je m'en charge. Et on est parti du coup pour trouver cette putain de clé USB. Et la MJ là qui me chie un cake avec mon ex, la chatte noire. Elle a eu combien de mecs elle? Sans déconner. Excusez-moi, je me demande juste ce qui se passe. C'est en bas, c'est en haut. Utiliser des billets plutôt que de l'or. Des sacs d'argent. Ah non, c'est là. Ouais, tout normal. Dégage. Dites, tous ces faux billets, ça fait pas de vous des faux gangsters, si? Je vais t'aplatir. Non, je vais te défoncer, mec. Et il en reste un. Il reste notre gros nounours. Allez, casse-toi. Un petit coffrage de faux monnayeurs pour bien commencer la journée. Eh ben voilà, nickel, ça met en jambe. Je vous ai appelé un taxi. Vous venez. Eh ben pourquoi il se coupe comme ça, lui? Un petit moment que j'ai pas touché le jeu, mais j'ai pas perdu un chouille, hein. En gavage. Ouais, je sais, ça fait du bien de se jeter des fleurs aussi, de temps en temps. Dites-moi que vous le faites pas. On est arrivé. Félicia, il faut qu'on parle. Oh, nos conversations me manquent. Mais là, je dois filer. La course est pluie, mais lance-toi là avec une IUM. Va falloir que je me débrouille à l'ancienne. Plus ça avance, arrête, plus je la kiffe. Je alors lâche-moi. Si Hammer aide à ton fils, tu peux pas faire ça toute seule. Et pourquoi pas? J'ai toujours tout fait toute seule. Mais t'es pas obligé! Pourquoi tu me fais pas confiance? On a déjà travaillé ensemble! Et ça répond à ta question, non? Félicia, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que c'est pas ton problème, c'est le mien. Et je m'en occupe. Mais c'est peut-être pas un problème pour moi! Sauf si tu parles de la guerre des gangs. Ça, c'est un problème. Laisse tomber, Spidey. Je peux me débrouiller. Oh merde. Mais lance-toi le son de retour. On va s'amuser. Je peux t'aider à arrêter Hammerhead. Ah ouais, et comment? Tu tues pas entre pas par réfraction? T'arriveras à rien.
Felicia, au sujet de ton fils, je dois savoir. Est-ce que... C'est mon fils. Et je m'occuperai de lui. La vache. Je veux juste discuter. T'es toujours là? Je peux tenir toute la nuit s'il le faut. Alors là, tu m'intéresses. Haha, coquine. Je vais devoir passer la seconde. Je dois m'approcher. Pour la dernière fois, ne suis pas. Ok, faut que je me rapproche assez pour la bombarder. Pourquoi tu m'entoiles ? Parce que j'essaie de te ralentir. Et ça a l'air de marcher. Je l'ai eu. On l'aura, les copains, vous inquiétez pas. Je dois juste me rapprocher et ce sera terminé. Comme des êtres humains. Je trouve qu'on est très humains, là. Je sais ce qu'il y a sur les clés que tu voles. Eh ben, il n'y a pas que des muscles là-dessous. Ne donne pas la dernière clé à Hammerhead. Dès qu'il aura ce qu'il veut, ton fils ne servira plus à rien. Laisse-moi t'aider. À quoi est-ce que tu penses? Retarde-le. Qu'on ait le temps de trouver ton fils. Tu m'as manqué. Ravi qu'on se remette ensemble. Non, pas comme ça. Dommage. Bon, je peux peut-être gagner 2 jours, Grand Max. Au sujet de ton fils, c'est possible que je sois... Plus tard. Il faut d'abord qu'on le retrouve. On discutera quand il sera en sécurité. On se tient au jus, Spidey. Oh, MJ va me tuer. Il y a des chances. Salut, tu l'as eu cette fois? Ouais. Elle va retarder Hammerhead pendant qu'on essaie de trouver son fils. Elle t'a dit si t'étais... Elle a rien dit. Évidemment. T'es sûr qu'elle essaie pas de te manipuler? Non, je la connais. Elle travaillerait pas pour un type comme Hammerhead si elle avait le choix. Ok. Bon, je vais vérifier la plaque que tu m'as envoyée. Je te dirai ce que ça donne. Espèce costume. Je suis HS. J'ai besoin d'un peu de carburant. Pizzeria chez Eddie. Eddie, c'est Spider-Man. Spidey, t'as l'air affamé. Tu m'étonnes. Tu peux me faire comme d'hab? Supplément pepperoni? Je m'en occupe. Livraison sur un toit? Ouais, parfait. Le même toit que la dernière fois. Je te rappelle dès que c'est prêt, ce sera pas long. En attendant, Eddie, je vais aller faire un tour en ville pour voir ce qui se passe. Hey, Miles, c'est re-moi. C'était quoi que tu voulais me demander tout à l'heure? Hey, Peter, je voulais juste... Enfin... Oh, c'est pas grand-chose. Je sais que t'es super occupé, mais je me demandais si t'aurais du temps un jour pour qu'on commence l'entraînement. L'entraînement? Ouais, peut-être... juste des trucs de base. Genre... se balancer d'un immeuble ou d'un immeuble bas. D'un arbre. Miles, t'as 15 ans. Concentre-toi sur tes études. C'est vachement plus important que de faire. Ouais, mais. Si je finis.
finis mes devoirs en avance et que t'as du temps libre un jour. T'as bien commencé quand t'avais 15 ans, toi, non? Et j'ai failli y laisser la peau une centaine de fois au moins. Hors de question que tu vives ce genre de truc. D'accord. Ouais, je comprends. À plus tard. Sans déconner, qu'est-ce que je vais faire de ce gamin? Bonne question. Ouais, Hardy a dû planquer un truc ici. Un autre tableau? Inspecteur, j'ai trouvé une autre œuvre volée. Je vous transmets les coordonnées. Bien, sinon l'actuel Kat, vous l'avez croisée, non? Pourquoi? Vous êtes aussi sur cette affaire? Non, juste curieux. Elle est comment? Compliquée, casse-pied, manipulatrice. Bon, elle a aussi bon cœur. Elle ne vole que les gens qui ont les moyens, ou qui le méritent, selon elle. Et elle vous a échappé, hein? Oh, plus d'une fois. Honnêtement, j'avais encore jamais eu affaire à une anguille pareille. Oh, je vois très bien. Allez, à plus tard. J'adore toutes ces petites conversations, là. Des fois, c'est un peu pète-couille, mais ça a son charme. C'est bon, Spidey. La pizza est prête. Merci, tu me sauves la vie. Non, c'est ton boulot, ça. Mais si t'aimes ta pizza, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. C'est toujours bon pour le business. Ok, à plus, Eddie. Je crois que j'ai jamais eu aussi faim. Putain, il est en train de me donner la dalle, ce con. Pratique pour aller chercher une pizza quand même. La mafia est soupçonnée dans un attentat à la voiture piégée. Convergée vers Grande Centrale, terminée. Bah, c'est sur ma route. On va leur défoncer la gueule. Des voitures piégées. Je devrais utiliser un Spider-Bot pour localiser les explosifs. Oh non, y'a personne à défoncer. Ok, petit, trouve-moi les autres explosifs. Là. Là. Je dois chercher les diodes clignotantes des détonateurs. Désamorcer. Je dois trouver les autres. Pousse-toi, toi. Mon Spider-Bot entendra la fin. C'est désamorcé. Localisons les autres. Eh, ça va, oui, me klaxonne pas, toi. Je suis en train de désamorcer des bombes, putain de merde. On peut pas aller plus vite avec ce truc. On va repérer les détonateurs grâce à leur diode clignotante. Et ça va, j'ai compris ça, merci. Désamorcé. Il en reste plus qu'une. Oh, le gros rat. La 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 la. C'est la dernière. Petit gavage, petit gavage. Spider-Bot, je vous aime. Eh, hey, c'est pas le trou, mais j'ai une pizza à aller chercher, moi. Oh, et un tableau dans le coin aussi. À toutes les unités, on vous signale un civil harcelé par la mafia. À tous les agents auprès de Madison, rendez-vous sur les lieux. On dirait que les hommes d'Amoret s'en prennent à quelqu'un. C'est pas vrai, hein, je pourrais jamais la bouffer, ma pizza. Il y a du people. Je leur ai jamais parlé au téléphone. Une petite bombe de toile, ça peut être marrant. Ou une matrice de suspension, je sais pas. Ouais, une bombe de toile. Non, la matrice, nia. Est-ce que ça vous dit que je vous montre comment les pros négocient? Qu'est-ce que c'est que cette caméra là? Rentre chez ta mère. Ouais, tiens.
c'est fait. Ma passion, me faire des gangsters, comme un héros. Merci, Spider-Man. De la magia, fait. C'est bon, on peut manger. Putain, mais c'est loin, merde. Tout ça pour une zappe. Tu vas pas me dire qu'il y avait pas une autre pizzeria plus près? Je t'aime vraiment. Mais là, je vais devoir t'anéantir. Hey, j'ai cherché la plaque. Elle est enregistrée au nom de l'entreprise de stockage d'un vieil ami de Hammerhead. Je suis sur place. Une petite minute. J'arrive dès que possible. En attendant, je vais jeter un coup d'œil vite fait. On va chercher la merde, quoi. Alors, pour commencer, je vais vérifier si le gosse est ici et le mettre en sécurité si c'est le cas. Je fais quoi si le gamin ressemble à Peter? Non, arrête, MJ, arrête. Elle veut retrouver le gamin, là? Comme ça, tranquille, elle se lance. Elle a peur de rien, hein. Ça fait pas du tout de bruit. Je crois que ce type a besoin d'une sieste. Mais là, mais tu lui piques son arme, là, putain. Faux billet. On dirait que Hammerhead a un nouveau hobby. Stewie, donne-moi un coup de main. C'est plus lourd que ta mère. T'es dingue? Je peux pas soulever ça. Tu sais bien que j'ai une sciatique. Hey, Mikey, tu peux m'aider? Si oui, que ça en fasse terminal de plaie magique. Hey, je suis Kiblo là, je fais quoi? C'est un pigeon, je vais en faire du pâté. Je dois être à cran. Ouais, c'est ça, t'es à cran. Sur Hammerhead qui broie des crânes. C'est des rumeurs, hein? Fais ton boulot et normalement tu le sauras jamais. Merde, on me voit. Ça en fait du fric. On dirait que c'est des fous. Mais c'est... Oh, aucun signe du gamin. Ça me fait déjà bizarre d'imaginer Pete, papa. Alors j'imagine même pas ce que ça lui fait. Je crois qu'il fera un bon père. C'est quelqu'un ? Non, les caisses, elles tombent toutes seules. Du con. Prendre une photo de ce type, ça m'aidera si ça tourne mal. Je vais voir si mes contacts dans la police peuvent l'identifier. Toute la journée sur ce téléphone! Remets-toi au boulot et arrête de lambiner! Un ordi sans surveillance, c'est une occasion en or. Un manifeste de livraison, il doit y avoir leur centre de distribution. Allez... Hors de question. Oh non. Ok, je transmets l'info. La famille Costa cherche les embrouilles. Ils veulent la guerre, on dirait. Faut que je prenne le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Alerte maximale. Si vous voyez quelqu'un, prenez pas de risque. Tirez. Bon, j'ai toutes les infos sur l'entreprise de livraison. J'espère que ça nous dira où il cache son fils. Je me pencherai dessus plus tard. Pour l'instant, je dois sortir de là.
discrètement. Eh, c'est vrai que Hammerhead a survécu à une balle dans la tête? Ouais, il a craché une des balles sur le type qui avait tiré. Après ça, il s'est fait poser son blindage. Tu peux peut-être les rafraîchir? Ah! Quel bordel! C'est qui va ranger? Toi? Moi? Pourquoi pas toi? C'est hors de question. Alors on range ensemble. Vas-y, commence. Non, tu commences. Je crois que j'ai assez traîné ici. Faut que je parte, et vite. Qu'est-ce que j'aimerais boire un coup? Allez les gars, venez par ici. On parle de la situation. Oh le gavage. Ça aurait pu vraiment très mal tourner. Ah, espèce de... Pardon. Qu'est-ce que tu fous ici? Et pourquoi tu sens la pizza? Bah, parce que je viens d'en manger une. Sache que pendant que tu cassais la croûte, je rassemblais des preuves et j'essayais de retrouver la trace d'un gamin. J'ai mangé aussi vite que j'ai pu. J'ai des trucs à étudier en détail. Je t'appelle plus tard. Oh. Note pour plus tard, pas de cochon pendu après la pizza. Ok, là je suis trop content. Ouais. Vous savez, bon, c'est pas forcément mon truc. Mais la finger in the nose. Ouais, il y a un des tableaux volés, hey, devait Spidey, être caché par là. J'ai besoin de ton aide, je t'envoie l'adresse. Félicia, qu'est-ce qui... Pas croyable. Et elle se figure que je vais accourir vers elle. C'est pas ça. Je récupère le tableau et puis on va faire cette petite mission tout de suite. Hein. Là, ok. Hey, Peter, j'ai bien réfléchi et t'as raison. Je dois me concentrer sur les cours pour l'instant. Ravi de l'entendre. Mais je veux rester actif, alors j'ai demandé à intégrer l'équipe de basket. Ça va, ça? Ouais. Fais juste gaffe. Il faut que ça reste très vite. Y'a rien de trop voyant, tu vois. Comme quoi? Bah, pas de dunk pour commencer. Ah, d'accord. Inspecteur, j'ai retrouvé un autre tableau. Bon boulot. Vous mériteriez de porter l'insigne. J'envoie des hommes là-bas. Dites, votre opinion professionnelle, l'actuelle Black Cat, elle ressemble beaucoup à l'ancien? Eh bien, il est clair qu'elle prend exemple sur Hardy. Son style, ses techniques, même son grappin ressemble à une version moderne de l'original. Ah, c'est vrai. Vous avez pu examiner son matériel, du coup. Donc elle pique les idées en prime. Elle les améliore, plutôt. Elle a porté l'œuvre de Hardy à un tout autre niveau. On pourrait presque croire que vous l'admirez. Vous savez, quand on fait ce métier depuis longtemps, on finit par reconnaître le vrai talent. Vous aussi, vous avez l'air fasciné. Oh bah, vous l'avez dit, hein. On apprend à respecter l'adversaire. Je vous dis si je récupère d'autres trucs. Ah, on va prendre le métro, hein. Y a pas moyen. 1,5 km, trop loin. On se retrouve tout de suite. Ah, je te jure, c'est un nouveau costume, je suis le vrai. Bah, je sais pas, moi j'ai une soirée déguisée. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un vieil ami m'a donné une info. Hammerhead garde quelque chose d'extrêmement précieux dans les bureaux au-dessus du bar. Y a du monde là-dedans. S'il me voit, mon fils est mort. Je l'ai fait sortir, et toi tu te faufiles. Mon héros. Arrête. Allez. Ok, bon, analysons la situation. Faut venir là. Il y a des ennemis, il y a de l'infiltration.
Allez, viens par là, viens par là, viens par là. Vrai que j'ai les pièges aussi. Eh merde, ils m'ont vu. En même temps, c'est plus drôle. Hein. J'ai quelque chose. Hammerhead a acheté un coffre anti-effraction, grand comme une chambre, pour y stocker ses biens les plus précieux. Ouais, comme un gosse enlevé. T'as une idée d'où se trouve ce coffre? Non, toujours pas. Mais j'ai d'autres dossiers à regarder. Je cherche encore. Je suis en train de prendre hyper cher. Lui, il commence à me saouler. Loupé. Oh mais... L'enfoiré. Ça suffit. Attaquez tous en même temps. Accordez-vous cette danse. Enfin. Fais gaffe, tu te ramollis avec l'âge. Avec l'âge? Eh, je ne vieillis pas, je grandis. Ok, ok, qu'est-ce que je prends là? Dis donc, tu prends ton temps, mon grand. Je préfère la qualité. Joli crochet. Non, je... Laisse tomber. La bienvenue. Le chat, il talent. C'est chaud. Hey, je suis déçu là. Non. Oh, j'aurais dû filmer ça. C'est pas faux. On aurait dû le faire avant aussi. On fait une bonne équipe, Spidey. T'habitues pas trop. Ça y est. Non, il est à moi. C'est enfin débarrassé du gros. Après toi, Spidey. Non, non. J'aime pas le gaspillage. T'as trouvé l'emplacement du coffre? Non. Mais on s'en approche. Et je suis sûre que c'est là qu'il cache mon fils. D'ailleurs, à ce sujet, il faut vraiment qu'on discute tous les deux de... Ça ne te manque jamais. Quoi? Me faire tirer dessus pendant que tu piques des trucs? J'ai essayé de rentrer dans le droit chemin. J'ai trouvé un boulot sans aucune effraction. Je me suis même mise à porter des joggings et des tongs. Je me demandais où t'étais. Ça a dû être dur pour toi. Surtout avec un enfant.
Je dois aller voir ça de plus près, si je veux le retrouver. Laisse-moi t'aider. Si on est censé coopérer, il... Parfois, je m'en sors mieux toute seule. Parfois. Je t'appelle si jamais j'ai besoin d'un coup de main. Oh là là! Mais que je la kiffe! Oh, j'adore. Salut MJ. T'as trouvé des infos intéressantes sur ce portable? Je décrypte les données. Je vais bientôt avoir un résultat. Ok. En attendant, on a une autre piste. On pense qu'Amoret planque son fils dans un coffre. Et on sait pas où est le coffre. Quand j'aurai décrypté ces fichiers, on pourra peut-être combiner ce que j'ai avec ce que t'as. Pas d'allusion grafleuse là-dessus, s'il te plaît. Ça sur un plateau, mais... D'accord. Merci MJ. T'es mon courant. Oh, j'aurais bien aimé, moi, une allusion grafleuse. Voyons ce qui se passe en ville. C'est forcément là. Notre tableau. Inspecteur, je vous transmets des coordonnées. Une autre vieille toile volée par Hardy. Merci, j'envoie quelqu'un la récupérer. Pourquoi Hardy a voulu s'évader? C'est un simple vol avec effraction. On est vite dehors. Il s'est fait trop faire marquer. La Magia voulait le recruter. Il a refusé. Ça lui a valu une cible dans le dos. Pas franchement confortable en effet. Surtout quand on a une famille. La Magia ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Ouais, j'ai cru remarquer. Allez, à plus. Peter, j'ai enfin décrypté le portable. Tu sais, ce coffre énorme dont tu m'as parlé. J'ai trouvé un rapport de livraison dans un chantier naval près de Hell's Kitchen. C'est sûrement là-bas que se trouve le kit. Merci, MJ. Il faut que j'appelle Felicia. Vu l'heure, soit t'appelles pour qu'on s'amuse, soit t'as trouvé un truc. Ouais, ton fils, j'espère. Je t'envoie l'adresse, on se retrouve sur place. Et allez, on va sauver le petit. Enfin, j'espère. Tellement pressé de revoir ma petite chatte. Ah, j'ai craqué, elle me fait craquer. Ah ouais, ouais, ouais. La chute libre, on n'y est pas encore. Hein. Ça doit vous donner un peu la gerbe si je fais ça trop souvent, non? Wow, 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 wow. À côté. Il y avait un tableau aussi juste à côté apparemment. Soyez raisonnables. Les types d'Amoret sont dans sa voiture et ils mettent tout le monde en danger. C'est une blague et j'aurais dû sauter dessus direct. Ils ont pas l'air de vouloir se garer, mec. Et ça suffit, là. Hein. Je suis fâché, là. Vous m'avez saoulé, vous. Encore des malfrats? Ils se sont donné le mot? Qui a vu des malfrats? Il y a assez de chauffards dans cette ville. On n'a pas besoin d'eux sur la route. Vous devez vous dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu J. Jonah Jameson. C'est parce que j'ai débranché sa radio en fait. Il me saoulait un peu à force.
Voilà, fallait que ça sorte, je devais le dire. Je me dois d'être honnête avec vous. Allez, on y est, putain. Oh le bordel. Fait beaucoup de snipe. MJ a assuré. Cet endroit est isolé. Il pourrait y planquer le gosse un moment sans éveiller les soupçons. C'est ici. C'est sûr. S'ils nous voient, c'est foutu. On doit les éliminer. Comme au bon vieux temps. Pattes de velours. Et discret comme une araignée. S'il nous voit, il risque de tuer ton fils. Ok. Tout ça sans se faire voir. Bien sûr. Ok. Spider-Man, la chatte, les pigeons, tout. Avec joie. Ce soir, on va pas voir ce monde. C'est clair. Celui-là, par exemple ? Je peux pas monter sur les lampadaires là pour me faire le mec là-bas au fond. Ça fait un paquet de gardes. Allez, viens là toi. Les dodo. C'est quand tu veux, Spidey. Attends une seconde. Fais de beaux rêves. Tu gères ? Coucou, Spanier. C'est par moi, ces types. Celui-ci demande qu'à être cueilli. C'est danger, lui. Ouais, c'est danger. Ouais, on continue comme ça. Déglingue-le. Ça, ouais. C'est pas de chance. Nickel. C'est ça que je veux voir. C'était quoi ? Je me tiens prête à bondir. Je m'en occupe. Plus que neuf, on dirait. Un parvis. Pas droit à l'erreur. Je dois trouver un meilleur angle. Pas faux. DVD, les gars. Dans le mille. J'arriverai peut-être à les éparpiller. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu penses que le boss va enfin prendre le contrôle du reste des familles ? Et je vais te dire, moi je crois que le boss est fini. Ça me plaît, ça. Putain, cette mission d'infiltration, ouais. Et un de moins. Toujours sur les pièges. On dirait que le boss a peur de se faire chourer un truc.
Qui serait assez crétin pour voler le poste? Je sais pas. Je crois pas que c'était une bonne idée de l'engager. Danger, mais c'est qui le voit, lui? Attrape. Bah lui. Plus qu'une poignée. Allez, plus grand monde, plus grand monde. Ok, on est deux contre deux. Je suis dessus. Le chanceux. Si elle est dessus. Ils sont tous KO. Gavage. Il y a de la place pour planquer un coffre par ici. Toi, va voir les conteneurs pendant que je fouille ce bâtiment, là-bas. Felicia. Quoi? Je suis désolé qu'Amoret t'ait fait ça. Ouais, eh ben... Il va se rendre compte que... Si on s'en prend au chat... On se fait griffer. Faudrait jeter un coup d'œil dans ces conteneurs. Certains ont des bouches d'aération. Pratique pour vérifier. Bah alors ? Seulement des cartons. Allons voir ailleurs. Des pianos. Ok. Chelou. Du matériel, mais pas de gamin. Il doit forcément être dans un de ces conteneurs. Mais non. Ça, oh putain. National. C'est quoi ce truc? Oh. Hammerhead a des armes de sable? Je me demande ce qu'il a d'autre. Ben ça... De sable. Sacré mélange. Attendez pas tant. Felicia, t'es où? Allez, on les gars. Un autre PBT de sable. Je me demandais où ils étaient passés. Il en reste un, il en reste un. Oh putain, il en reste pas qu'un, il en reste pas qu'un. Ne me dites pas qu'il y a le gamin dedans. Hein. Je vous préviens, c'est show the night. PBT, lance-roquette, minigun. Vous avez tout piqué à table ou je rêve? Avec toi, faudra
les murs. Ah, je dois me débarrasser. Ouh, pas passer loin. Vite, vous êtes sûr de savoir utiliser ça? Ok, on regarde la couille. Je me démerde, ok, je suis en train de crever. Y'a plus que... Ok, c'est pas ça. Tu joues pas dans cette catégorie, là. Mais d'où il sort, lui? Il y en a encore un. Si c'est chaud. C'est ce qu'il dit le clown. C'est pas vrai, putain. C'est d'où que ça me tire. Ta gueule, toi, dégage. Encore un coup à la con. Putain, j'ai réussi. Et voilà le travail. Ouh, ça va piquer demain. Bon, maintenant, trouvons Felicia. Elle a dit qu'elle entrait dans ce bâtiment. Et détends-toi, Spidey. C'est là. Felicia, faut rentrer là. La chambre forte. Felicia. Non, tu me fais marcher là. Dis-moi que tu t'es pas foutu de moi depuis le début. Désolé, mon chou. Mais j'avais besoin d'aide pour réussir un si gros coup. Tout ce que tu voulais, c'était la clé d'Hammerhead. Toute la fortune de la Magia. Dans le creux de ma main. T'as donné des fausses clés à Hammerhead? Tu crois qu'il va m'en vouloir? Alors... le kidnapping... ton fils... c'était des mensonges? Oh, c'est un bien grand mot. Je dirais feinte, plutôt. Oh la salope. Fais le bon choix. Rapporte les clés à la police. Et je les ai méritées. De toute façon, rien n'empêchera Hammerhead d'atteindre son but. Tout ce que j'ai fait, c'est le ralentir un peu. Y a plus personne dans la cour. Vérifiez le coffre. Je dois y aller. Je boirai un verre à ta santé, à Saint-Trope. Felicia! Boss, on y est. Alors? La clé est plus là. Changement de plan. Il y a un traceur sur cette clé. Trouvez-la et tuez-la. Si elle est assez stupide pour retourner dans son appart, j'ai une équipe qui l'attend là-bas de pied ferme. Et les clés USB? Je m'en fous complètement des clés USB. Je la veux morte. Bien, on va la retrouver. Ça pue. S'il y a un mouchard dans cette clé, Felicia est en danger. Il faut que je la retrouve, et vite.
c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Je te manquais déjà. Hammerhead sait où tu es, et il compte te faire ta fête. Il y a un mouchard dans la clé. Il y a un truc que je piche pas, Spidey. Je viens de te la faire à l'envers, et toi t'es là à essayer de me sauver la peau. Comment tu fais pour être toujours si gentil? Il s'agit pas d'être gentil, mais de faire ce qui est juste. T'es bourré de talent. Si seulement tu voulais bien en faire profiter d'autres que toi. Ouais, ouais. Depuis le temps, tu devrais savoir que c'est pas du tout mon trip. Il n'est jamais trop tard pour changer. Bisous, Spidey. Tu me manqueras. Attends, ton appart, il y a des explosifs chez toi! T'inquiète pas. J'ai encore mes 9 vies, tu te souviens? Merde! J'arrive. J'arrive, c'est pas la porte à côté non plus. Et allez! Accroche-toi, Felicia! On y est, allez! Putain, j'y crois pas, y'a jamais eu de gamin, comment elle nous a pris pour un con, mais jusqu'au bout. C'est une blague? Waouh. Ils n'ont toujours pas retrouvé le corps? Non. Tu crois qu'elle a survécu? Je sais pas. Enfin, c'est possible, mais... Alors? Ça fait quoi de pas être père? Non, c'est une vraie question. Honnêtement, je suis plutôt soulagé. J'ai trop de trucs à gérer, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais je suis certaine que tu feras un père génial un jour. Quand ce sera le bon moment. Et avec la bonne personne. Putain ! On vient de finir le DLC, donc le casse. Avec la chatte noire, je m'attendais pas du tout à ça comme fin, et donc si c'est à suivre, c'est que la suite de l'histoire, c'est dans le prochain DLC, les amis, hein, le deuxième, ce qui est Hammerhead, je crois, et ça se termine avec un troisième DLC de sable, donc on va les faire, vous inquiétez pas, vous les verrez, mais un régal ce petit DLC, un petit kiff. Franchement, ça prolonge l'aventure, ça reste aussi beau, aussi prenant pour les amoureux de Spidey, donc non, pouce en l'air, moi je dis, et d'ailleurs, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo, et on se retrouve très vite pour la suite, et d'autres lives, et d'autres let's play, tout ça, c'était Loul 5100, je vous dis à très bientôt les amis, ciao.